c'est quand même empreint d'histoire. Oui, tout à fait. Donc on est au cœur de la maison qui a en effet des allures de château, qui a été reconstruite lorsque le château plus ancien a brûlé à la Révolution française en 1793. Donc c'est une maison qui a été reconstruite avec de très beaux volumes et des meubles anciens et des portraits aussi de plus ou moins de familles. C'est assez classique comme décoration et c'est typiquement français. Donc c'est là qu'ont vécu mes grands-parents paternels quand ils sont passés de Roquefort au domaine et où a vécu mon père quand il était enfant. En fait, petit. Puis après, on a continué à venir toute notre enfance, mon frère et moi, et qui est un domaine où je reçois les invités, les amis, et à qui je fais découvrir cet univers assez classique. Quand vous invitez vos clients sont ici, vous leur faites partager vos vins, mais peut-être aussi un peu votre histoire. Ils vous posent des questions. Oui, il me pose beaucoup de questions sur l'histoire du domaine qui remonte à bien avant nous, sur l'histoire de mon grand-père, donc qui avait créé le Roquefort Régal en 1890, sur l'itinéraire de mon père, l'itinéraire de maman aussi, qui est quelqu'un qui avait une forte personnalité et qui était une femme dans les Corbières. Originaire de Normandie, ce qui n'était pas facile à l'époque, qui a prouvé à tout le monde qu'elle voulait faire des vins de qualité et qu'elle y arriverait, et qui est encore d'ailleurs très respectée dans la région parce qu'on en parle beaucoup et qui s'est donné beaucoup de mal. Donc voilà, c'est tout empreint du passage de toutes ces personnes qui ont vécu ici et qui ont contribué à ce que le vin et le domaine soient ce qu'il est aujourd'hui.